Exactement. Cas, en vrai, en vrai, parce que sur LinkedIn, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait deux, trois mois, je pense. Ouais. Qu'on se suit. Tu te souviens, alors, qui c'est qui s'est vu le premier? À mon avis, c'est moi qui t'ai vu le premier parce que t'as, oui. t'as plus d'abonnés que moi. Oui. T'as combien maintenant? T'as 10 000 abonnés? Un peu plus de 11 000 en ce moment. Un peu plus de 11 000, ok. Oui. Et ça fait... Alors, on va commencer par une question toute bête. Ouais. Parce que, comme tous les podcasts, il y a des questions bêtes. Et la première question que je vais te poser, c'est d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Parce que... Oui, t'es connu sur LinkedIn, mais bon, y a plein de gens qui nous écoutent, ils te connaissent pas. Alors Michel, qui es-tu? Bien sûr. Bah, je m'appelle Michel Stroukov, j'ai 25 ans. Pas grand-chose à dire, tout simplement, sur moi. Moi, je suis tout simplement un entrepreneur. Moi, j'adore entreprendre. J'ai créé ce qu'on appelle la méthode signature. C'est en fait ma manière de générer des clients sur des réseaux sociaux, d'une manière... à ce que ça puisse me convenir à moi, qui est aligné finalement à mes valeurs. Et aujourd'hui, bah, tout simplement, j'accompagne des personnes qui sont dans le scénario où ils souhaitent passer à la vitesse supérieure dans leur activité grâce aux réseaux sociaux, à mettre en place un système d'acquisition sur une plateforme comme LinkedIn, grâce à, justement à cette méthode signature. Alors, donc, comme tu nous as dit, tu avais 25 ans, tu es jeune. T'es né en Suisse ou pas? Parce qu'il faut savoir, je l'explique pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, parce que ce podcast est en audio et en vidéo. Attention, ça ne rigole pas avec des caméras et tout. Michel, il m'a aidé à installer. Donc, vous voyez, c'est le bon invité, sympa. Il m'a dit, bon, est-ce que je peux faire quelque chose? Donc, le petit verre d'eau, le petit truc. On s'est mis en place, donc on est en vidéo et en audio. Il a fait 90% du setup, si j'ai En plus, on a des interlocuteurs, donc voire beaucoup de Français. Donc attention, on va dire 90, 80, 70. Ouais. Et parce qu'on veut vous faire comprendre que c'est comme ça. On doit dire les chiffres. On dit 70, ça n'a pas de sens. On dit 70. Et c'est un Français et Suisse qui vous parle. Et sur ça, on ne déroge pas. Et donc, du coup, on s'est mis à installer, etc. Donc, pour ton âge, tu as 25 ans. Je te pose la question, c'était né en Suisse, parce que ce podcast, il est tourné en Suisse. Et bon, t'es pas si souvent que ça en Suisse, parce que la dernière fois qu'on avait discuté, t'étais pas non plus en Suisse, tu te balades un peu partout. Oui. Mais est-ce que tu es né en Suisse? Non, je suis pas né en Suisse. Ah. Alors d'où viens-tu, étranger? Je suis né à Kiev, en Ukraine. D'accord. Okay. Donc toute ma famille vient d'Ukraine. D'accord. Que ce soit mes grands-parents, mais tous mes ancêtres, vraiment ukrainiens, 100%. Okay. 100%. Ouais. Et moi, j'ai déménagé en Suisse avec mes parents lorsque j'avais 6 ans. Okay. Et puis depuis, j'ai grandi ici. T'as grandi en Suisse. Ouais. Okay. Et puis je me suis fait naturaliser suisse à 17 ans, okay. Quelque chose comme ça. Ok. Bon, pas du tout d'actualité en Ukraine en ce moment. Au moment où on parle de ce podcast, tout est très calme. Donc ça, ce ne sera pas le sujet de ce podcast parce qu'on va essayer d'éviter de parler de politique, mais on va parler business et transition. On va parler de tes études. Oui. Et t'es un peu mon contraire. Parce que moi, j'ai fait aucune école, j'ai pas fait d'études. Et toi, tu as fait HEC Lausanne. Oui. Alors déjà, j'ai une question par rapport à HEC Lausanne. C'est est-ce que c'est une copie conforme à HEC? C'est un rapport avec HEC à Paris en France? C'est une franchise, entre guillemets, de HEC à Paris ou pas? Ou pas du tout? Alors, très bonne question. Et je pense pas que je pourrais te donner une réponse vraiment très précise parce que moi-même, je sais pas. Mais de ce que je comprends, oui, c'est une franchise. Par contre, le système HEC Lausanne, il marche d'une manière différente par rapport à HEC Paris. Et notamment à la nature de la faculté, lorsqu'on parle vraiment de comment les gens y viennent, comment les gens passent leur parcours académique, et surtout le prix qu'ils payent pour ça. D'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que HEC Lausanne, comme n'importe quelle autre faculté, en Suisse, que ce soit la médecine, lettres et toute autre faculté, c'est gratuit, donc c'est finalement financé par l'État. La seule chose que tu payes, c'est une taxe semestrielle de 580 francs. Ce qui n'est pas du tout le cas de HEC Paris, par exemple. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. C'est pas accessible, donc déjà, c'est pas déjà la même approche. Okay. Exactement. Donc, moi, personnellement, j'adhère beaucoup plus à l'approche suisse où c'est vraiment. Ils vont admettre tout le monde. Tout le monde qui a un bac, tout le monde qui a une maturité fédérale ou une maturité cantonale, comme on appelle ça en Suisse, c'est l'équivalent du bac. Ils vont admettre tout le monde et ils vont donner la chance à tout le monde. Okay. Donc, d'un côté,
tu as la chance, mais tu commences avec 900 personnes la première année. Des gens qui sont assis sur les escaliers pour prendre des notes parce qu'il n'y a pas de place. Ok, d'accord. Et ensuite, seulement 700 personnes, 750 qui sont inscrits aux examens du premier semestre. Ouais. Donc déjà là, il y a moins 150 personnes. Ensuite, seulement 500, je dirais 450 passent la première. Et pour tout te dire, bah, au final, ce qui se passe, c'est que la troisième année de bachelor, je crois qu'on est 400, 450, quelque chose comme ça, ah oui, qui d'accord. termine. Alors, de ce que je comprends, et ça, c'est juste une supposition, mais HEC Paris, c'est complètement l'inverse, où ils ont déjà un grand système de... Grand filtre, ouais, exactement, au début. De par le coup, déjà. Par le coup, et par les examens. Il y a des examens d'entrée. Oui, ouais. Il semble que le filtre, il est quand même assez... Ouais. assez dur et assez violent. Donc effectivement, on est à deux, on est deux opposés, quoi. Enfin, exactement. Elles enseignent la même chose, certainement, mais leur manière de fonctionner, déjà, au départ, n'est pas la même. Oui. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que... Alors, pour moi, il faut savoir que HEC, c'est... Enfin, bon, déjà, la scolarité, pour moi, c'est un monde extraterrestre, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on y apprend à HEC? Qu'est-ce que tu y as appris? Donc, c'est quoi ton cursus à HEC? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait HEC Lausanne seulement mon diplôme de bachelor. Donc, je n'ai pas fait de master par la suite. D'accord. Donc, j'ai fait seulement 3 ans. Et dans ces 3 premières années, tu apprends de tout. Tu commences à avoir beaucoup de choix en 3e année. Donc là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Mais... Après, c'est comme ça, hein. Moi, j'ai pas vraiment de reproches, mais je trouve que c'est un peu trop technique et pas assez pragmatique, ce qu'on apprend en HEC. Je crois qu'il y a la même remarque sur HEC Paris, globalement, dans toutes les écoles de commerce. Ouais. Parce que pour prendre ne serait-ce qu'un bon représentant de HEC, je pense, c'est Théo Lyon, je sais pas si tu connais Théo Lyon. Bien sûr. De Koudak, bah, il a dit bien sûr, bah, évidemment, qui ne connaît pas Théo Lyon. Nous, on ne connaît pas encore, mais ça va pas tarder. Mais il disait justement que. C'était pas vraiment un endroit où on apprenait à créer des boîtes en vérité. Et que, donc évidemment, il y a plein d'éléments qu'on apprend à HEC qui peut nous y aider, mais on n'est pas vraiment dans le pragmatisme comme tu le dis. Tu vois. Oui, oui. Et c'est un peu technique ou un peu théorique, je sais pas comment on pourrait dire les choses, mais voilà, je suppose que quand on est à HEC Lausanne, on nous apprend qu'il faut faire un business plan. Oui. Exactement. Or, bon, bah, moi, pour parler que de moi, le business plan, c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu et je suis plus dans l'action que dans la réflexion. Alors, ça importe son autre problème. Oui. Mais ça reste quand même le marché qui va répondre. Business plan, ça peut nous donner une idée, ça permet de. Déjà, la notion de business plan, c'est la notion de je vais lever des fonds ou je vais emprunter de l'argent. Exactement. Pour dire à quelqu'un, non, mais n'aie pas peur de me prêter de l'argent parce que j'ai un business plan. Quand on est plutôt en mode from scratch ou comme nous, où on est ce qu'on appelle des... Il y a un terme pour ça. Et je vais évidemment pas le trouver hein, parce qu'il y a des caméras. Mais bootstrap, pour oui. les sociétés qui sont bootstrappées, oui. Bah, si tu veux, le business plan, bon, n'est pas non plus indispensable. Donc tu dirais que ça... Alors, du coup, si on pourrait, parce qu'on va pas faire un volet trop trop long sur HEC Lausanne, ça peut faire quelques TikTok sympas qui feront peut-être des vues, on sait pas, mais c'est vrai. Au-delà de ça, parce que ça parle beaucoup, HEC, c'est un peu un espèce de totem, un emblème, donc c'est très particulier, mais si tu devais retenir les points essentiels que ça t'a vraiment apporté à HEC, ce seraient lesquels ? Très bonne question. Je pense que HEC Lausanne, j'ai appris à... avoir un état d'esprit sérieux par rapport à mon travail. Donc vraiment, et prendre des responsabilités. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, et oui, j'ai appris beaucoup d'éléments techniques sur beaucoup de maths, beaucoup de stats, beaucoup de microéconomie. Tout ça, c'est génial, c'est super intéressant. Mais moi, j'avais toujours cette question, mais comment je pourrais prendre tout ça et puis l'appliquer vraiment dans la vie quotidienne et créer un business à partir de là. Tout à fait, ouais. C'est vraiment dans le cœur, j'avais ça depuis le début. Je dis toujours que le meilleur cours que j'ai eu à HEC Lausanne, ça s'appelait la dramaturgie pour le monde professionnel. Donc en fait, j'ai fait du théâtre pendant 6 mois, apprendre à parler en public, apprendre à parler en, pas d'une manière monotone, mais vraiment pouvoir développer un peu mon charisme comme ça. Et ça, je dirais que c'est vraiment
le truc que j'ai repris d'HEC Lausanne, que j'utilise aujourd'hui dans la vie quotidienne que j'ai en tant qu'entrepreneur. D'accord. Après, en question de partie technique, business plan... Sans aller dans les détails, mais qu'est-ce que tu en retiens justement de cette partie où tu as fait du théâtre, etc. Exactement. Qu'est-ce que tu en retiens, parce qu'on dirait vraiment... Parce que tu ne m'as pas donné plusieurs éléments. Tu m'en as donné qu'un seul. Ouais. Donc c'est vraiment celui qui t'a marqué. Donc pour lui, dans ta tête, il remplit presque 70% de l'utilité d'HEC dans ta tête. Bien sûr. À Lausanne. Donc, Et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Déjà, ça m'a appris à gérer mon stress. Je pense que tu l'as remarqué lorsque tu as démarré en tant qu'entrepreneur. Tu sors vraiment beaucoup de ta zone de confort pour aller parler aux clients, pour pitcher tes services et autre chose. Donc déjà, savoir gérer son stress. Et ce qui est bien avec ce cours-là, c'est qu'on a été mis dans une situation de stress pour pouvoir élargir au fur et à mesure notre zone de confort, pour que cette zone d'inconfort devienne notre zone de... Exactement. Et donc, déjà, gérer le stress, et puis ensuite, tout simplement, être beaucoup plus expressif. Voilà, la manière de raconter une histoire, même si on n'est pas du tout rentré dans le storytelling, tout ça. L'idée, c'était vraiment savoir sur le coup, savoir rebondir sur quelque chose que ton interlocuteur vient de te dire. Développer de la répartie, etc. Exactement, ouais. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est un des meilleurs exercices pour développer de la répartie. Parce que là, on n'a pas le choix, on doit réagir, on ne doit pas laisser des blancs, on n'est pas au bistrot du coin. Et donc, ou au tea room, on pourrait dire pour les Suisses, on leur donne un petit référentiel au tea room. Et donc, on ne doit pas avoir trop de blanc, ou alors, à part si ça a une utilité quelconque, mais le blanc où on ne sait plus quoi dire, ça pose problème. Alors là, on est obligé de réenchérir. Donc, je suppose que ça, c'est vrai que de faire du théâtre et d'avoir des petits moments d'improvisation où tu oublies ton texte, tu es obligé de bricoler pour pas quand même qu'il y ait un blanc. Oui. Ça, au début, c'est très compliqué, et t'es en alerte. Ton cerveau, il fait... Ton cerveau, il te dit juste non, en fait. Même tout ton corps te dit non. Parce que je sais pas si tu te souviens, la première fois que t'as fait, je sais pas, une conférence, ou que t'as parlé devant des... je sais pas, ton client, mais où il y avait plusieurs personnes en même temps, eh bien, tu ressens le stress dans tout ton corps. Oui. En fait, tout ton corps te dit non. C'est comme un blocage, ça coupe ton souffle. Il veut pas, en fait. Il veut pas. C'est pas naturel, en fait. Exactement. C'est juste pas naturel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas juste les gens qui sont nés orateurs ou qui sont nés bons parleurs en public. Non. Tout le monde est passé par ça parce que c'est tout simplement humain d'avoir le stress dans tout ton corps. Et puis, par la suite, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont s'entraîner, progresser. Et au fur et à mesure, ils vont devenir de plus en plus à l'aise. Très clair. Bon, alors, ce volet sur HEC Lausanne est terminé. Donc, HEC Lausanne pour... Liban, on vous envoie ça tout de suite parce qu'on vient de faire de la promotion quand même. Donc, exactement. Voilà. HEC Paris aussi, si vous voulez nous faire un petit virement. Ouais. Je suis à la Crédit Suisse et puis Michel, tu es à quelle banque? UBS. UBS, donc voilà. Maintenant, si il jamais. Reste plus qu'à récupérer Liban. On vous l'envoie par mail et c'est réglé. Bon, maintenant, on va parler d'un volet, c'est le plus important de ce podcast. C'est le sujet qui fait que... Enfin, c'est le sujet, le réseau qui a fait que nous sommes là, présents, tous les deux, en face à face. Donc, la preuve que LinkedIn... marche. Fonctionne. Parce qu'ici, il y a deux humains qui se parlent, très concrètement, et qui enregistrent un contenu. Donc, ça fonctionne. Mais maintenant, comment ça fonctionne? Comment nous, on l'utilise? Et comment toi, tu l'utilises? Parce que ton job, la méthode signature, est notamment basée... sur LinkedIn, très clairement. De toute façon, à partir du moment, c'est très simple. LinkedIn, c'est le meilleur, le meilleur annuaire à jour des professionnels, je dirais du monde entier, mais occidentaux en tout cas. Oui. Je veux dire, dès que quelqu'un cherche un job, LinkedIn est un très bon moyen d'en trouver, donc forcément, il met à jour ses informations. Sur LinkedIn, on a le nom et le prénom. Donc, il n'y a pas de... Jean-Patrick Duvalet qui peut t'insulter impunément. Exactement. Jean-Patrick 1343. Non, pas... Oui, parce qu'il a des chiffres, Jean-Patrick, à jamais, parce qu'il n'avait pas Jean-Patrick de dispo. Donc voilà. Donc il n'y a pas la notion de pseudo. Exact. Très important. Donc il y a aussi un effet aussi, alors c'est un peu l'effet pervers, de quand tu communiques sur LinkedIn, vu que l'algo est plutôt
plutôt assez bon pour les créateurs et ceux qui y participent, bah fais attention, parce que si on publie quelque chose chez quelqu'un, il peut se voir. Là où, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes sur Instagram et vous avez un silo de personnes, une centaine de personnes, je veux dire, quand vous faites un commentaire chez un créateur, vous n'avez pas un feed qui vous dit « Ah tiens, il a dit ceci ou il a dit cela ». Oui. Il faut aller dans le contenu du créateur, remarquer dans tous les commentaires ce commentaire qui ressort. C'est ça. Sur LinkedIn, moi, si je fais un commentaire insultant auprès de quelqu'un ou je viens donner mes opinions politiques, faut attention sur LinkedIn. C'est ça. Sur le post de quelqu'un, et bah, en fait, il y a une partie de mon audience ou de l'audience de la personne qui va le voir apparaître dans son feed au hasard. Donc, ça va marquer Michel. Michel a commenté ceci. Donc, il y a ce côté-là qui donne une pression. Oui, de réputation, réputationnelle. Une réputation qui fait que, bah, attention, quoi. C'est difficile, à mon avis, d'être Andrew Tate sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il pourrait tenir debout. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Oui. Pourquoi ? Tout simplement... Ça a plus d'effet positif que pervers. Bien sûr. Déjà, on a moins de haters. Donc, on a moins des Jean-Michel qui vont insulter dans nos posts et ainsi de suite, pour comparer aux autres réseaux sociaux. Mais aussi, il y a cet effet où ça pousse tout le monde, ça pousse chacun d'entre nous à vraiment réfléchir d'une manière objective et à créer des réels échanges avec des gens. Oui. Parce que si tu dis tout simplement « non, je ne suis pas d'accord, point », et puis terminer ton commentaire, bah, ok, super, bravo. Tu montres à tout le monde que justement, tu es un peu simple. C'est ça, exactement. Alors que là, ça te pousse vraiment à créer des échanges. Et moi, je trouve que si tu as la bonne ouverture d'esprit, tu peux vraiment te développer, faire un développement personnel. Tu peux énormément apprendre juste en consommant du contenu et en interagissant avec des gens. Moi, personnellement, ça m'a apporté énormément de ma manière de réfléchir, d'être plus flexible sur certains points de vue que sur d'autres, et juste à développer complètement mon ouverture d'esprit. La première question que j'ai envie de te poser au sujet de LinkedIn, c'est comment finalement tu as découvert LinkedIn? Déjà, dans un premier temps, sans avoir toutes les idées que tu as eues après, et pour vraiment l'exploiter, mais quand est-ce que tu as découvert LinkedIn? Je pense que la première fois que j'ai découvert LinkedIn, où je suis vraiment allé dessus pour me créer un compte, c'était à l'époque quand j'étais à HEC Lausanne. Est-ce qu'il n'enseigne pas d'ailleurs? Non. Non. Okay. Pas encore, il me semble, pas encore. Et petit aperçu, on m'a, pas à HEC Lausanne, mais on m'a invité dans une école d'hôtellerie à Montreux pour venir présenter justement la thématique de LinkedIn et comment se développer là-dessus. Donc c'est quelque chose que je vois qui est en train de se développer, et je pense qu'à HEC Lausanne, ça va pas trop tarder. Donc moi, j'ai découvert ça pendant que j'étais à HEC Lausanne, où tu étais obligé juste de créer ton compte, de te faire un mini CV. Il y a combien d'années exactement? C'était quand? C'était il y a plus de 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc on est en 2017, 2016, par là. Ouais, 2016-2017. Ok. Voilà. Donc là, moi, j'étais. Tu as juste créé ton compte. Ouais. Et puis comme on te l'a demandé, c'était de un CV en ligne. C'était un CV en ligne, ouais, tout CV simplement. Ouais, c'était un CV tech. Ouais, exactement. Voilà. D'accord. Donc à ce moment-là, t'as pas pris conscience pris conscience. Pour l'instant, c'était qu'un outil pour mettre ton CV. Ouais. Bon, moi, j'avais découvert LinkedIn. Par contre, il y a beaucoup plus longtemps. Je sais pas, j'avais 16 ans. Ouais. À l'époque, donc il y a 15 ans maintenant. Ouais. Ça allait hop, dans la tronche. Et j'avais surtout fait attention quand, à l'époque, Microsoft avait racheté LinkedIn. Parce que, en fait, faut savoir que LinkedIn est la propriété de Microsoft. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis monté un peu rentré dans le monde, entre guillemets, des startups et du digital, parce que j'ai appris qu'on avait vendu un réseau social professionnel $1 milliard. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. C'est curieux ça. Ouais. Et je me rappelle avoir eu cette discussion avec mon père. C'est une petite aparté, parce que mon père, il est ingénieur réseau informaticien à la base, à la retraite maintenant. Je le salue. Papa, si tu regardes. Et il me disait, mais qui c'est qui? Pourquoi ils achètent ça à $1 milliard? Et à l'époque, j'avais pas la conscience de ce que ça pouvait valoir. Maintenant, ça vaut beaucoup plus. Oui. Parce que c'est une ressource qui est inestimable. D'ailleurs, on discutera à la fin sur ce volet LinkedIn, comment LinkedIn gagne de l'argent. Parce que ça, c'est intéressant en soi. Parce que c'est pas la publicité sur LinkedIn qui leur rapporte le plus d'argent. On va en parler dans un second temps. Et donc... toi, tu as découvert LinkedIn, donc tu avais ton mode CV. Donc moi, j'avais entendu cette histoire d'un milliard incroyable. Et là vient justement
en liaison, mais à quel moment t'as compris que c'était une opportunité, que tu t'es dit mais il faut que j'y aille, quoi? Ouais. Bah, en fait, c'était pas forcément lié à LinkedIn. C'est en fait le moment où j'ai compris que créer du contenu et avoir cette vision long terme de créer ton propre audience, que avoir ton audience sur les réseaux sociaux, voilà, une communauté sera un actif fortement apprécié et fortement valorisé. C'est là où je l'ai compris. J'avais à la base commencé à créer du contenu, à développer mon audience sur Facebook. Pas avec des pages, mais avec le profil personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, quand j'ai vraiment commencé à faire ça, c'était début 2019, sur Facebook, les profils perso marchaient très bien, donc tu avais un très bon reach, très bonne visibilité, et c'était même possible de générer des clients à partir de Facebook. Mais en fait, je voyais aussi que Facebook a été un peu en stade de... Décliner, ouais. Voilà, en train stagner, de... Stagner, du moins. Stagner, ouais, stagnation et même descente, tout simplement, décroissance. Et j'ai un peu réfléchi, bah, mais en fait, si je veux développer du business, si je veux vendre mes prestations de marketing à des entreprises, donc B2B, bah, LinkedIn, c'est the place to be. Mmh. Donc, et je suis allé dessus juste pour voir ce qu'il y avait. Et franchement, quand j'ai commencé à publier, c'était octobre 2019, il y avait encore très très peu de personnes qui publiaient sur LinkedIn. Et donc, j'ai vu l'opportunité. Je me suis dit, bah, ok, bah, je vais me dire, je ne vais pas forcément me donner comme objectif, voilà, de publier un mois. Non, je commence à publier et sans fin. Je me dis, je fais ça parce que je crois dans l'idée qu'avoir une audience, ça va être hyper valorisé par la suite. Et peu importe si je suis maintenant, voilà, je vends des prestations en marketing ou par la suite que je vais faire quelque chose d'autre, bah, l'audience que je vais constituer, elle sera là avec moi, une audience qui me connaît, qui m'apprécie, qui me fait confiance, qui me permettra, bah, par la suite aussi d'aller sur d'autres plateformes, diversifier sur d'autres canaux. Voilà, donc ça, c'était un peu le moment où j'ai découvert LinkedIn. Donc ce moment, on doit se repérer, là, on est en 2023. Oui. C'était il y a quoi? Il y a 2 ans? Il y a 3 ans? Il y a 4 ans? Il y a 3 ans et 3 mois pour vraiment être... très précis. Ouais, très précis, ouais. Ça t'a marqué. Ouais. Donc ça fait 3 ans que tu publies régulièrement. Mm-hmm. Et depuis ces 3 ans, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un switch où ça a été continu? Mmh. Au niveau de ta croissance, du nombre d'abonnés, de demandes, de propositions, parce que tu as fait des conférences, tu as fait plein de choses. Donc LinkedIn t'a donné beaucoup d'opportunités, enfin LinkedIn et ton travail surtout, sur LinkedIn. Mmh. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu quand même un moment, une bascule, tu sais, un moment où vraiment tes résultats, ils ont vraiment pris une certaine ampleur? Non. Je pense que je l'ai remarqué que c'était d'une manière progressive. Très linéaire. Ouais. Très linéaire et très, très linéaire. Mais on est d'accord, mais justement, c'est ça d'ailleurs, on le précise pour ceux qui pourraient s'intéresser à LinkedIn et qui pourraient publier. Il faut accepter, moi, en tout cas sur LinkedIn, que les 6 premiers mois, on n'est pas forcément de résultats probants. Parce qu'en fait, quand vous publiez sur les réseaux sociaux ou sur un site web, vous voulez créer une communauté, il faut penser un peu mathématique. Hein. Et il faut penser de manière mathématique parce qu'il y a purement quelque chose d'effet cumulé, en fait. Le contenu qu'on publie il y a 6 mois n'aura pas le même impact 6 mois après. D'ailleurs, vous regardez des grands, grands influenceurs LinkedIn. Moi, je vous prends par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Justin Welch. Voilà, tu dois suivre comme moi. Bien sûr. Qui est incroyable et qui est très spécifié solopreneur, etc. Bah, des fois, il fait des posts en 4 mots qui sont bien. Mais il fait 250 commentaires. Ouais. Moi, si je fais 4 mots, je n'ai pas 250 commentaires. Ouais. J'ai 0 commentaire. Par contre, dans 5 ans, je pense que je ferai 200 commentaires. En tout cas, c'est mon objectif d'être suffisamment influent pour provoquer 200 commentaires en 4 mots. Oui. 4 phrases, voilà. Et donc ça, il y a un côté un peu ingrat au départ. Où forcément, si tu veux, tu publies, mais tu n'as pas forcément des résultats de dingue au départ. Et... comme c'est très linéaire, bah au début, tu fais 200 impressions post. Donc, les impressions, c'est le nombre de fois où on voit vos posts. 300, 400, puis au bout d'un moment, ta moyenne, c'est 1000, 2000. Et puis, je pense que quelqu'un comme toi, c'est plus de 5000. En moyenne, peut-être plus de 10 000. Oui, bah, ça varie, disons. Et entre 5 et... 5 et 10 000, disons. Entre 5 et 10, ouais. Ouais. Donc, tu vois, moi, ma moyenne, je suis totalement transparent. Et pour autant, on accompagne des gens sur LinkedIn, etc. Moi, j'oscille entre 1000 et 3000 impressions.
J'ai quelques percées où j'ai fait 20, 25, 30 000 fois 10. Mais tout ça prend du temps. Oui. Les gens doivent s'habituer à nous, à notre discours. Et voilà. Par contre, il est vrai que s'il y a un réseau où s'implanter et qui nous donne quand même un retour sur ce qu'on fait, c'est LinkedIn. Oui. Enfin, quand vous voyez des fois la frontière sur Instagram ou autre, puis le public n'est pas aussi ciblé. Donc, par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez faire 1000 impressions par poste, mais faire du business en générer pas mal. D'ailleurs, faut attention, parce que là, on parle de vues depuis tout à l'heure, de likes, etc. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais faut pas se baser là-dessus. C'est pas cette, comment on appelle ça, nous, enfin, la vanity metrics. Oui. Des trucs qui font plaisir. Ouais. Y a des gens qui n'ont pas beaucoup de commentaires, mais énormément de gens qui ne postent pas, qui ne commentent pas, puis qui nous écrivent en privé. Oui, exactement. Il y en a même, d'ailleurs, la plupart d'ailleurs qui nous écrivent, moi, ne sont pas en commentaire. Systématiquement, ils sont pas du tout en commentaire. D'ailleurs, ils viennent nous écrire pour ça. Et moi, c'est plutôt moi qui vais leur écrire en... Ceux qui se parlent en commentaire, je vais leur écrire. Mais ouais. Ça c'est la bonne démarche. Ça fait partie de la méthode signature. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour rebondir sur pourquoi c'était linéaire pour moi, parce que quand j'ai créé la méthode signature, bien évidemment, il y avait une phase test, etc., que j'avais fait aussi, entre autres, sur Facebook. C'était un peu la même philosophie. Et puis, c'est ça que j'ai amené aussi sur LinkedIn après. Ma philosophie générale, c'était de dire, j'ai pas envie de générer des résultats uniquement en se basant sur les vues. Donc, étant dépendant des vues ou en étant dépendant de l'audience ou la taille de l'audience que j'ai. Okay. Donc, pour tout dire, j'ai généré mon premier client sur LinkedIn au bout de 3 mois. Donc, j'ai commencé en octobre, fin octobre, fin novembre. En janvier, j'ai commencé déjà avec un client. C'est en fait, et c'est un peu la philosophie que j'essaye de transmettre aussi à mes clients, si on se concentre sur notre message, qu'est-ce qu'on dit dans nos posts, d'une manière à créer un lien, un réel lien avec les lecteurs qui nous découvrent pour la première fois, parce qu'il faut quand même le souligner, la grande raison pourquoi c'est hyper dur de générer des clients rapidement sur LinkedIn, c'est parce qu'on a affaire à des inconnus, un marché qui ne connaît pas. Je pense que tu l'as remarqué, avoir du business par le bouche à oreille qui vient, c'est extrêmement simple. Tout simplement parce que la personne connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et tout d'un coup, il y a tout de suite en fait un lien qui se crée, un lien de confiance. On n'a même pas besoin de discuter. Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce que tu as fait ci ou ça? En fait... Ah mais le client du bouche à oreille, c'est le plus facile à closer. C'est ça, ouais. Bah en fait, je peux me permettre de trouver une image qui s'y prête bien, c'est comme quand vous demandez un bon électricien. Tu connais pas un électricien parce que là, je vais tout refaire dans ma baraque, c'est compliqué, etc. Ouais. Alors, Michel, il est embêté parce que lui, il est coach LinkedIn, il n'est pas électricien. Et puis, il y a Alexandre à qui il fait confiance. Il dit, tu connaîtrais pas quelqu'un, tu vois. Et Alexandre, il lui dit, bah, écoute, moi, je connais un mec incroyable, il s'appelle Michael, il est à Lausanne. Bah, parfait, incroyable, je suis à Lausanne. Voilà. Ça tombe bien. Tu vas aller voir, en plus, si t'es à Lausanne, ça match, quoi. Ouais. Et quand toi, tu vas voir Michael et qu'il va venir, même si, bon, le prix, c'est peut-être un peu plus cher, machin, moi, je t'ai dit que tu pouvais lui faire confiance, il n'y avait pas de problème. Tu réfléchis même pas. Ouais. Quasiment pas. Tu signes. Or, tu vas faire ta petite recherche. Et là, il y a des gens comme nous qui t'avons bien placé sur Google. Allez, petit coup de promo. Et on trouve, bon. Il va falloir réassurer dans le site, il va falloir mettre plein d'éléments, des témoignages, donner tous les éléments manquants pour que la personne nous fasse confiance. Exact. Et pour passer à l'achat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne vend pas, il faut le dire, on ne vend pas spécialement avec de la rationalité. Oui. Malheureusement. Et il faut, juste pour rebondir sur ton exemple de l'électricien, c'est très intéressant. Il faut comprendre aussi la nature de la prestation de service que vous délivrez. Un électricien, ça va quoi te coûter peut-être 100 jusqu'à 200, 300 francs. Une grande intervention, disons, dans ta maison. Nous, ce qu'on vend avec toi, et la plupart des personnes qui nous écoutent, vendent du high ticket, comme on peut l'appeler. Bien sûr. Donc vraiment des prestations qui, d'un point de vue d'acheteur, nécessitent beaucoup de temps de réflexion. Exact. Et c'est un véritable investissement pour eux. Exactement. Donc c'est quelque chose qui rajoute à toute la difficulté que déjà LinkedIn présente, quand on a affaire à des inconnus, bah non seulement tu dois apprendre à connaître la personne, mais en plus, elle doit te faire confiance pour investir des milliers de sa poche dans ta prestation. Donc ça, c'est un processus quand même long, je trouve, et il faut savoir le décortiquer et faire en sorte qu'on,
créer le bon message pour créer ce lien de confiance. Et c'est pas quelque chose qui se fait avec un poste. Donc. Alors, ou alors, ça met trop de temps. C'est-à-dire que ça peut être une des recommandations que je vais donner et que je partage avec toi. Il y a une grande erreur, il y a plein de gens. Par exemple, on ne le sait pas, mais j'en parlerai après parce que toi, tu as la méthode signature donc qui s'adresse à un certain public. Nous, on est en train de développer quelque chose qui s'adresse à certainement un public parfois des fois similaire, mais qui est d'écrire des posts LinkedIn pour les dirigeants, les solopreneurs, etc. Mais moi, on a suivi plusieurs dizaines de clients parce qu'on l'a fait en bêta, en sous-marin. On a remarqué une chose, s'il n'y a pas une participation, une animation autour du poste, vous oubliez. Il ne va pas se passer comme par magie quelque chose. C'est ça. Alors peut-être 2 ans, au bout d'un an, il va se passer un truc. Et encore, on se met vraiment des bâtons dans les roues. Alors que déjà, le peu de gens au départ qui likent ou qui commentent, vous allez les voir en privé. Vous allez discuter avec eux. Et déjà dans les commentaires, vous allez formuler un échange. C'est ça. Et offrir un peu de valeur à ces gens-là, vous allez avoir de bien plus gros effets. C'est pour ça qu'on disait juste avant, les vanity metrics, on fait attention. Parce que comme je vous ai dit, vous pouvez avoir, vaut mieux avoir 1500, 2000 abonnés à terme, mais être extrêmement actif autour de ces posts, répondre aux messages privés, avoir l'esprit d'initiative, surtout qu'on est sur Internet, donc la barrière de la timidité est déjà beaucoup plus mince. Si je devais prendre une image un peu plus triviale, c'est plus facile de draguer sur Tinder, de matcher, de dire elle est belle, elle est... Pardon, ça, faut pas le dire. Elle est belle, elles sont toutes belles. Oui, d'accord. Exact. Et de faire ça, et de... Hop, vous avez un match. Tu as un match avec Janine. Et là, franchement, pour lui dire qu'elle est belle, c'est beaucoup plus simple que d'aller voir Janine dans la rue, puis essayer de l'interpeller, de lui dire qu'elle est belle. C'est pas du tout... La frontière n'est pas la même. Sur LinkedIn, c'est pareil. Vous avez la chance d'avoir des gens qui ont interagi sur vos posts ou des gens avec qui vous sentez que vous avez... des moyens de connecter des liens je veux dire des choses en commun, des sujets en commun, des passions en commun, enfin peu importe. Je veux dire d'aller cliquer, de faire envoyer un message et dire hello, merci d'avoir commenté le post et tout, et toi qu'est-ce que tu fais, c'est d'une simplicité dingue. Et surtout on peut en faire plein, en une heure on peut interagir avec 15 personnes d'un coup. C'est ça. Et c'est très simple. Et donc vaut mieux avoir 1500 abonnés, pour reprendre mon exemple, mais être extrêmement actif sur ces posts, que d'avoir 5000 abonnés et de ne pas répondre aux commentaires ou très tardivement. Et de ne pas envoyer de message. Enfin, franchement, celui qui a 1000 abonnés, il surperforme par rapport à celui qui fait que 5000. Non, mais complètement. Celui qui ne prend soin de sa communauté, de son audience qui est là, qui est présente, c'est une énorme erreur, tout simplement, parce qu'on me demande souvent, mais comment je grandis mon nombre d'abonnés? Je réponds, prends soin de l'audience que tu as déjà. C'est ça qui te permet finalement de grandir. Parce qu'eux, ils vont t'aider dans les interactions, dans les likes, dans les commentaires. Ça va pousser tes posts à plusieurs de personnes. Et c'est comme ça que tu grandis, en prenant soin des personnes que tu as déjà dans le réseau. Et c'est vrai que ça peut être chronophage, mais c'est là où je partage, moi, à mes clients, et c'est ce que je fais aussi de mon côté. Je vois deux manières pour créer un lien avec des gens sur une plateforme comme LinkedIn. Il y a cette manière plus outbound, où tu vas vers des gens et tu discutes, que ce soit dans les commentaires, dans la messagerie privée, tu fais des visios et ainsi de suite. Proactif, voilà. Et il y a la version plus inbound, où c'est plus ton message, comment tu le rédiges, ton copywriting, ton humour, est-ce que tu démontes tes valeurs, est-ce que ça résonne dans l'esprit de ton lecteur, pour, à travers même les mots, créer un lien avec le lecteur, finalement. Donc, moi, je vois les deux manières de le faire, et je trouve que les deux sont importants. En fait, si on regarde LinkedIn ou comme n'importe quel réseau social, finalement, c'est des rapports humains. Oui. Donc, avant de vous intéresser au reach, à comment faire des likes, le copywriting, et commencer à dire des mots un peu pompeux comme nous, outbound, ASAP, t'as généré combien de leads qualifiés? Avant de commencer à connaître ces termes techniques, vous pouvez être un newbie de LinkedIn, vous savez juste qu'il faut publier, répondre aux messages, savoir 4 fonctions. Ouais. Écrire un minimum bien le français, voire un bon correcteur comme moi. Ouais, comme moi aussi. J'en ai même 2, donc je pourrais en parler après. Mais ne pas connaître mais bien connaître par contre les relations humaines. Et avoir un petit peu d'empathie, vous saurez comment grandir votre communauté. Parce que finalement, c'est comme
c'est comme être dans un événement public ou avec des gens avec un, où on fait du networking. Bon, bah, si vous êtes dans votre coin, vous dites rien à personne et puis vous n'êtes pas sympathique et pas souriant, bah, je veux dire, bon, ça sert à rien. Et puis si alors vous êtes ce mec-là, puis en plus vous connaissez les mots lead qualifié, conversion, et que vous n'avez pas d'empathie, bah, vous n'allez pas plus gagner que les autres. Exactement. Vous allez peut-être vous faire remarquer, mais en mal. C'est pas. Voilà. Ouais. Donc je reprendrai cette expression. Ouais. C'est bien d'être remarqué, mais vaut mieux être remarquable. Oui, complètement. Voilà. Et c'est ça. Donc, du coup, on va privilégier un peu moins la quantité et d'essayer d'être plus proactif. Oui. Et moi, en tout cas, c'est ce que je peux résumer sur les. On a fait des centaines de posts hein. Pour plus d'une dizaine de personnes. On a testé, etc., sur plein de niches différentes. Pas d'interaction autour. On rajoute pas des gens. On n'essaye pas de connecter. Alors, franchement, les résultats, ils sont sans appel. J'ai vraiment des résultats dingues. Avec des clients, on faisait moins de posts, où on le faisait interagir, où par contre il avait un bon bagou, un bon. Incroyable quoi. Ouais. Et on arrive à générer des opportunités comme ça. Donc ne raisonnez pas en simple vanity métrique, combien j'ai fait de vues, de likes ou je sais pas quoi. C'est avant tout des relations humaines. Et en fait, voilà, c'est même le résumé du marketing, c'est comprendre les gens. C'est aussi simple, mais c'est aussi difficile que ça. Déjà comprendre les gens, comment on fonctionne, mais aussi après développer suffisamment d'empathie pour savoir créer des relations humaines. Et c'est par la suite qu'il faut réfléchir à combien je poste, quel format, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là, comment je peux optimiser quel ce processus. Quel problème je résous. Mais ça, c'est par exemple un des premiers trucs. Moi, je serais ravi de faire d'autres épisodes avec toi. On pourra aborder d'autres thématiques, mais moi, quand je vois le nombre, un des principaux problèmes que je vois, que je rencontre chez les entrepreneurs, que ce soit que je coach, qu'on accompagne avec l'agence pour des stratégies, etc., c'est ils sont pas foutus de me dire quel problème ils résoutent. Je leur dis, résume-moi en deux phrases, qu'est-ce que tu résous comme problème ? Et quoi ? Ou qu'est-ce que tu fais, tout simplement ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mais puis, et celui qui sait dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, il y a une bonne moitié, tu lui dis, qu'est-ce que tu résous exactement comme problème ? Il a énormément de mal à l'expliquer. Et ça, mais vous imaginez même pas à quel point vous partez avec des bâtons dans les roues, parce que tout doit être basé sur quel problème vous résolvez. À partir du moment où vous savez quel problème vous résolvez. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça ? Non, dis-moi. Moi, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus et je pense que c'est fortement tiré du monde du salariat et du monde finalement conventionnel du travail. Si tu réfléchis, une entreprise achète tes compétences et ton temps. Donc, tu vas dans une entreprise, tu participes à une réunion devant les RH qui vont finalement te prendre comme candidat ou pas. Bah, toi, ton but, c'est de développer et puis de démontrer tes compétences et de dire que finalement, tu vaux l'argent et le temps que l'entreprise te prenne. Donc, naturellement, tu pars de toi, de qui tu es, et t'essayes de te vendre de cette manière-là. Et je pense qu'on a fortement pris ça dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est complètement autre chose. Oui. Nos clients, ils n'achètent pas nos compétences et notre temps. Ils achètent un certain résultat final positif qu'ils ont imaginé par eux-mêmes dans la tête. Et c'est notre job de formuler ce qu'on fait d'une manière à ce que ça amène, ça crée presque un pont entre là où ils sont maintenant et le résultat final positif qu'ils ont imaginé dans la tête. C'est de créer ce pont. Et finalement, je l'ai développé d'ailleurs même plusieurs fois dans des carousels. Je l'ai nommé la question à laquelle personne ne peut trouver une bonne réponse. Bah, en fait, la question c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, j'échange avec beaucoup de prospects, de clients différents et quand je les rencontre, je dirais 6-7 personnes sur 10 me répondent en fait leur fonction quand je leur demande cette question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous répondez par votre fonction, oui, on peut comprendre ce que vous voulez dire, mais on ne voit pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, on n'arrive pas à visualiser et à se projeter dans le résultat final que vous pouvez me délivrer et que potentiellement c'est aligné avec ce que moi je recherche et je pourrais me dire « Ah, mais... » Vous m'aidez en fait à générer plus de visibilité sur les... Ah bah c'est exactement ce que je veux faire. C'est exactement... Ça me parle. Et c'est à partir de là, c'est comment vous présentez, c'est à partir de là qu'une discussion intéressante commence à se présenter et puis vous pouvez finalement rentrer entre guillemets dans le processus de vente. C'est très clair. Alors pour vous, vous le savez pas, mais là on fait juste une pause. 3 secondes okay. Et on reprend la suite. A few moments later. Bon, alors maintenant, il y a aussi un autre volet que j'aimerais aborder avec toi. C'est que dans tes phrases d'accroche sur LinkedIn, une phrase que j'ai remarquée, c'est que tu dis que tu n'es pas coach LinkedIn. Oui. Pourquoi cette précision ?
Bah là, c'est tout, tout est lié à la méthode signature. Et en fait, une des philosophies de la méthode signature... Ouais, bah c'est l'arnaque. Du marketing. Escroc. Exactement. Michel Escroc. Exactement. Mais en fait, je pense que tu l'as remarqué, en termes de consultant marketing, on est tellement beaucoup. Et le problème, c'est que... Il faut se différencier, effectivement. Voilà, si moi, je suis dans le domaine, toi, tu es dans le domaine. Mm-hmm. Toi, quand tu me dis, tu es consultant SEO, moi, je te dis, je suis consultant réseaux sociaux. On comprend la différence. Oui. Mais pour un Jean-Patrick qui n'a absolument aucune idée, rien, pour lui, c'est un consultant marketing. Il n'a absolument aucune idée. Ouais, et en fait, c'est juste une question de perception. Moi, je ne souhaite pas être perçu comme un coach LinkedIn, tout simplement parce que je ne le suis pas. Ma philosophie, c'est de dire que si tu veux apprendre à maîtriser LinkedIn, tu n'as pas besoin d'un coach, tu n'as pas besoin de moi, ni de personne, en fait. Il y a tout le contenu gratuit qui existe sur YouTube, sur d'autres choses, d'autres plateformes que tu peux trouver pour comprendre les bases de LinkedIn. En fait, qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? C'est de comprendre comment on peut publier, comment envoyer des messages, comment trouver des prospects grâce à Sales Navigator, ainsi de suite. Mais la grande difficulté, de nouveau, c'est pas maîtriser LinkedIn, mais c'est de savoir comment transformer un like, un commentaire ou une personne en rendez-vous, enfin déjà en une discussion, puis en rendez-vous, puis en client. C'est ça la difficulté. Et donc, en fait, cette phrase « je ne suis pas un coach LinkedIn », c'est justement pour mettre en avant ma différenciation, mon positionnement, ma signature. La signature, comment moi je la vois, c'est la réponse à la question « pourquoi les gens devraient me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre, plutôt qu'un autre confrère ? » Et donc ça, c'est un des arguments que j'utilise, que je ne suis pas un coach LinkedIn, pour que les gens fassent plutôt appel à moi et non pas un coach LinkedIn. Voilà. C'est juste un des éléments. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà pourquoi je mettrais clairement... C'est vraiment l'acte de différencier, de dire « je ne suis pas simplement là pour t'expliquer ». Parce qu'en fait, c'est vrai que si on se dit « coach LinkedIn », alors à ce moment-là, t'es pas coach en marketing, t'es pas coach. Donc, alors qu'en vérité, déjà il y a le mot coach, le problème. Parce qu'un vrai coach, coach, il est certifié. On va te lancer du coaching, alors du coup. Voilà, exactement. Donc déjà, le mot coach, il faut l'utiliser d'une manière intelligente. C'est pour ça que je dis jamais que je suis coach. J'accompagne, tout simplement. Ensuite, donc déjà entre guillemets, prendre des distances, parce que c'est vrai que dans les coachs, y a quand même, moi je vais te dire quelque chose un peu de... Moi, il y a un truc, je fais un coup de gueule. Vas-y. Ouais, c'est le moment de parler, moi je n'arrête pas de rouspéter à ce sujet quand je suis dans les bureaux avec mes collaborateurs, et que j'en parle, je dis mais moi j'en ai marre, alors il y en a une, alors pardon mesdames, mais il y a messieurs aussi hein, pour certains, qui sont très caricaturaux en général. Je vais donner deux exemples, mais j'ai deux exemples similaires, un homme chez une femme, comme ça tout le monde en prend pour son grade, oui. Les deux sexes vont prendre pour leur grade, mais je suis tombé sur une coach qui est assez connue sur LinkedIn, oui. Qui fait beaucoup d'abonnés, et qui est coach business. Alors, il y en a plusieurs hein, sur LinkedIn, oui. Vous ne pouvez pas imaginer laquelle, il y en a plusieurs qui font pas mal de vues, mais ils n'ont pas monté de boîte. Mais vous rigolez ou quoi ? Ouais. Et ils te font des posts, hein, mais c'est dur, c'est compliqué. Mais attends, tu vends du one-to-one à 150€ de l'heure ? Ouais. 150 francs de l'heure, quelle est la difficulté ? Et t'as juste, à pleurnicher. Et ça attire toujours les mêmes profils. Ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent les premiers coachs que certains vont voir, puis après ils comprennent que ça ne règle pas leur problématique. Et puis après, on va voir des gens sérieux, c'est-à-dire qu'ils disent plus coach, ils disent on accompagne. Oui. Non, mais plus sérieusement, ou d'autres coachs plus sérieux, parce que moi j'en ai ras-le-bol d'avoir des coachs business qui n'ont pas monté de business. Ouais. Pour moi, on peut être coach business quand on en a craché une, déjà. Parce qu'on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire de dire un collaborateur, la boîte elle va s'arrêter de virer 5 personnes. Voilà, là on peut être coach business, là on peut se permettre de dire, de savoir de quoi on parle. Mais c'est incroyable parce qu'il y a la même problématique avec à un moment donné avec le business des infopreneurs, oui. Qui est un marché prolifique parce que très facile à vendre, scalable. Oui. Vendre 10 formations en ligne ou 100, c'est la même chose. La porte d'entrée, elle est grande aussi. La porte d'entrée est grande aussi, exactement. Il y a énormément de gens. En plus, on joue sur des niches et sur des choses. Le make money. Donc voilà, moi, je vais vous le dire, vous voulez faire du fric, entre guillemets, sur LinkedIn, vous communiquez bien, etc. Ou vous faites passer pour un coach. Alors, il y a quoi ? L'immobilier ?
Enfin, en gros, le mec money, donc même money, l'immobilier. Lié à l'argent, lié aux relations, santé et relations. Relations. Voilà, trois grands. Donc vous êtes coach en séduction, coach crypto, coach trading, ou vous allez, très récemment, il y avait aussi histoire, école pour être influenceur, donc pareil, make money, avoir de la vie, etc. Et aussi relations, parce qu'il ne faut pas se mentir. Oui. Quelqu'un qui a 50 000 ou 100 000 abonnés, d'ailleurs, j'ai peut-être l'interview, j'ai un ami qui est influenceur. Qui a près de 200 000 abonnés et qui a une chaîne YouTube à plus d'un million d'abonnés. Je ne dirai pas qui, j'attends qu'il accepte de participer. Moi, je sais comment ça se passe en off. Notamment, c'est un homme avec la jante féminine. Ça change la vie d'un point de vue des relations humaines. Ça vous met sous un piédestal. Ça vous met à une position que vous n'êtes pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui prennent la grosse tête. Oui. Et c'est pareil avec ces coachs business. D'ailleurs, ils font tellement d'argent et qu'ils s'imaginent vraiment être ils y croient à fond. Oui. Et en fait, c'est là la puissance du marketing et de la communication. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas véritablement un coach business, tout le monde le croit parce qu'il ose parler, il fait des posts, et alors qu'il n'a pas d'expérience. Et donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Oui. Faites attention, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein, qu'on s'entende bien. Oui. Soyez juste, soyez logique. Quand vous avez un coach business en face, mais demandez qu'est-ce qu'il a fait comme business, quoi. C'est ça. Et le pire, c'est que... Demandez des témoignages, des études de cas, ça c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi je ne souhaite pas être perçu comme un coach LinkedIn. Parce que par extension, on peut peut-être imaginer te mettre dans ce camp-là. Ouais, exactement. Non, et je ne souhaite pas être perçu comme quelqu'un qui donne juste des conseils. Ah bah, publier tant de fois par jour. Non, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je vais beaucoup plus en profondeur. Et c'est aussi en lien avec ça pour... Je te coupe au passage, mais est-ce que tu vas parler de l'offre, de ce que ton client offre, tu vas essayer de l'aider justement à le cadrer. Parce que alors moi, par exemple, moi je le dis sur le coaching LinkedIn qu'on risque de mettre en place, mais en fait c'est quasiment naturel. En fait. Oui. Quasiment dans toutes les... Parce que comme moi j'ai une agence et qu'on développe d'autres verticales, grosso merdo, on va pas se mentir, on est là pour aider les gens de progresser. Oui. À développer plus d'affaires, à avoir peut-être en travaillant moins, gagner un peu plus, voilà. Donc globalement, on remplit cette mission-là. Cette mission-là, moi, je vais parler par exemple du SEO, c'est quelque chose qu'on fait. Quand on doit aider quelqu'un à être bien placé sur Google, bon, bah, c'est bien, je t'ai bien placé sur Google, mais s'il ne fait pas de vente ou s'il ne génère pas de résultat, il va me dire, je suis bien placé sur Google, mais je n'ai pas de résultat. Oui. Là vient qu'automatiquement, qu'on soit consultant SEO, qu'on accompagne des entrepreneurs, des solopreneurs comme toi à communiquer sur LinkedIn, qu'on accompagne un e-commerçant à faire une campagne de mailing pour améliorer ses résultats, ses paniers abandonnés, etc. Si la base, le marketing de base, c'est pas clair, c'est-à-dire le marketing n'est pas un minimum affûté et la communication n'est pas suffisamment claire, on n'aura pas de résultat. Donc quoi qu'il arrive, si on est bon dans sa niche dans le digital, on doit au minimum avoir un client qui soit suffisamment clair avec ça. Sinon, ça ne marche pas. Donc, automatiquement, ce travail doit être fait. Oui. Donc, moi, je suppose que toi, tu le fais. Exactement. Dans ta méthode, c'est pour ça que tu sors simplement parce que c'est vrai que les coachs, c'est vrai, on peut le dire, une bonne partie des coachs, où bah, en fait, c'est la bétaillère, quoi. On enchaîne les clients, donc c'est toujours les mêmes techniques. Ah bah, c'est une méthode. D'ailleurs, ça marche beaucoup. Si vous connaissez un peu les relations humaines avec l'hétéro binaire de base, ou le mec binaire de base, qui tu lui donnes une méthode, il est super content. Et tu sais que là, il y a un sujet qui est très intéressant sur les formations qui étaient vendues, notamment pour la séduction. Tu parlais des relations humaines. Oui. Par exemple, déjà, il n'y en a pas pour les femmes. Déjà, différence. Pour les hommes, il y en a énormément. Pour expliquer comment aux hommes faire. Moi, je vais vous dire, vous parlez, parce qu'il m'est arrivé d'aider quelques amis, vu que je suis dans la communication et le marketing, ils disent « Ah, mais tu parles bien, etc. Explique-moi un peu. » Je lui dis « Mais le problème, c'est que vous voulez des méthodes. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous dise, alors, première étape, tu dis coucou, ça va, puis là, tu fais une blague. Étape 2, tu silences pendant 2 jours, puis tu. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, pour vendre, c'est incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans les posts LinkedIn, et moi j'en fais, ça arrive pour avoir des accroches, je vais te donner 10 méthodes pour passer de 0 à 10 000. Oui. Ce sont des accroches. Oui. Mais en vérité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est pour ça que je dis binaire de base, je ne mettrai pas le mot hétéro avant. Binaire de base, comme je le disais avant. Oui. Parce que, tout simplement, c'est un peu plus. Oui, il faut personnaliser l'approche en fonction de la personne. Donc,
C'est pour ça que les coachs ont souvent cette image-là. Et c'est ce que tu me dis, c'est pour ça que tu veux t'en éloigner. Oui. C'est que toi, tu ne vas pas simplement donner des méthodes. Donc, que ce soit Patrick, Jean-Patrick ou Claudia, elles ont toute une approche différenciée. Oui. Tu les accompagnes, tu les suis selon leurs produits, leur niche et à qui elles vendent. Oui. Tu vas bien essayer de clarifier le discours, d'essayer de bien comprendre ce qu'elles veulent vendre. Oui. Et de voir que comment elles l'expriment. Est-ce que c'est vraiment exactement comme ça que c'est... Est-ce que c'est bien perçu, quoi ? Est-ce que c'est perçu exactement comme elle le voudrait ? Parce que très souvent, on a quand même beaucoup de mal à finalement à exprimer exactement ce qu'on souhaite transmettre. Et c'est là où C'est le plus grand problème des entrepreneurs en ce moment. On a vraiment, je dis on parce qu'on est tous des entrepreneurs. On a vraiment de la peine à se vendre, à mettre en avant notre valeur, ce qu'on sait délivrer au-delà de simplement notre réseau. Parce qu'on avait déjà parlé de ça. Le réseau, c'est bien, mais c'est quand tu apprends à montrer ce que tu peux faire et ce que tu peux amener comme valeur aux autres qui te découvrent pour la première fois, c'est là que tu arrives à réussir. Mais justement, en parlant de ça, c'est pour ça que dans la méthode signature, moi, je me base sur des fondamentaux marketing. Tu peux avoir la meilleure stratégie de contenu que tu veux, mais tu auras toujours de la peine à convertir si, par exemple, tu n'as pas une offre parfaitement alignée avec les besoins de ton client, présentée d'une manière attractive, et si tu ne sais pas te différencier des autres. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où l'accès à l'information est extrêmement facile. Ce n'est plus comme il y a 20 ans, où on faisait beaucoup appel à notre réseau pour trouver notre prestataire, parce que c'était la seule manière de trouver quelqu'un. Oui. Aujourd'hui, en deux clics et en quelques mots-clés dans la barre de recherche de Google, YouTube, LinkedIn, peu importe, on trouve non pas une, non pas deux, mais 5, 10, 20, parfois même 100 solutions à notre problème. Et la question pour l'acheteur, c'est qui choisir ? Qui on va choisir et qu'est-ce qu'on choisit comme solution ? Et là, si vous n'êtes pas clair ? Si vous n'êtes pas clair et si... Non seulement pas clair, mais c'est qu'il faut comprendre que vos clients, ils ont un problème pour une raison. C'est parce qu'ils sont complètement perdus dans la résolution de ce problème. Ils ne connaissent pas les termes, ils ne savent absolument rien là-dedans. C'est notre job d'agir comme des guides empathiques pour les guider dans la résolution de leurs problèmes et leur expliquer ces choses-là. Et aussi, du coup, pour se différencier, parce que la personne, elle va voir une annonce Google, deuxième, troisième, elle va parcourir un peu profil par profil. C'est ça. Mais si là où elle tombe sur un profil lambda, un consultant marketing, un consultant RH, elle ne voit pas tout de suite en quoi la personne est différente, en quoi elle est la personne pour elle, inconsciemment, sans se rendre compte, c'est juste comme ça qu'on est fait en tant qu'humain, ce sont des heuristiques mentaux, on va placer cette personne dans le même panier que tout le monde, en se disant, ça c'est une consultante RH qui fait du consulting RH. Mais quand on place tout le monde dans le même panier, le problème c'est que la valeur perçue baisse. On se dit que tout simplement, il y a tellement, tellement de personnes à qui on pourrait faire appel, et c'est là où on commence à être malin. Ils sont tous consultants RH, je pourrais négocier le prix vers le bas, je pourrais trouver le moins cher. Mais rappelons-nous une chose, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes bons dans ce que vous faites et vous avez même les preuves. Vos clients sont satisfaits de ce que vous faites. Votre vraie valeur, elle est indiscutable, elle est là. Mais il faut justement maintenant travailler sur la valeur perçue pour faire en sorte que vous n'êtes pas juste perçu une personne parmi tellement d'autres qui font la même chose. Il faut augmenter cette valeur perçue. Et ça vient avec les fondamentaux. On a eu un peu de granularité, donc en étant plus précis... Et d'essayer de se distinguer, c'est un peu le rôle, mais comme on le disait juste avant même de se distinguer, déjà de pouvoir répondre à cette question. Donc tous ceux qui nous écoutent, là, qui ont un business, etc., là, on vous laisse. Je vais laisser un blanc de 20 secondes. Et vous allez dire dans votre voiture, dans votre tête, si vous êtes dans le bus ou ailleurs, ou en train d'attendre quelque part, là, je vous donne 15 secondes. Voilà. Quel problème vous résolvez ? Est-ce que vous êtes capable, là, dans les 15 prochaines secondes, je vais laisser 15 secondes de vide. Et essayez de répondre à cette question, ça commence maintenant. Et aussi une deuxième question, pourquoi je devrais faire appel à vous et pas quelqu'un d'autre, pas un autre confrère ? Exact, ouais. Tout à fait. Donc là, normalement, vous êtes rendu compte qu'en fait, vous n'avez pas du tout. En fait, c'est pas clair votre phrase. Il y a deux solutions, soit les gens, ils ne savent pas du tout et c'est pas grave. On peut, et puis peut trouver pas grave, différence. Attention, c'est juste là, c'est bien, vous en avez conscience maintenant. Ça, il faut prendre conscience. Deuxième point, c'est que ceux qui en savent en quoi ils sont différents,
C'est une chose de savoir, c'est une autre chose de communiquer pour que l'autre personne le comprenne. Bien sûr. En fait, je dis toujours que le marketing est un jeu de perception. On s'en fiche, malheureusement, on s'en fiche de qui vous êtes et en quoi, comment vous, est-ce que vous percevez. Vous pensez que vous êtes le meilleur, vous pensez que vous pouvez penser que vous êtes très bon, pas bon, on s'en fiche. Ouais. La question n'est pas ça, la question c'est comment la personne en face vous perçoit. Et donc c'est là tout le jeu de faire en sorte qu'on communique notre différence pour que l'autre personne le comprenne. Déjà en utilisant un bon vocabulaire et pas de jargon technique. Et en plus, pour que la personne se dise tout de suite « Ah ok, donc Michel, il n'est pas coach LinkedIn. » Ou Alexandre, il n'est pas juste un consultant SEO. Non, il est ça, il fait autre chose. Mm-hmm. Et ça me parle parce qu'il argumente pourquoi ça, son approche, est plus intéressante que les autres sur le marché. L'idée, c'est de ne pas manger la concurrence. En fait, on parle beaucoup de se nicher sur la concurrence et tout. L'idée, c'est juste de savoir se différencier pour qu'on ne parle même pas de la concurrence. La concurrence, elle fait autre chose. Concentrez-vous sur votre client et sur l'éducation de votre client et vous allez réussir. Eh bien, merci beaucoup. Là, au moins, c'était très clair. J'espère que ça vous sera utile. Bon, évidemment, on encourage les gens. Ce podcast sera en ligne sur YouTube, sur la chaîne Les Digitalizers. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous êtes un Digitalizers. Ne l'oubliez pas, vous faites partie de la communauté des Digitalizers. Évidemment, il y aura quelques extraits sur ton LinkedIn, je suppose. Voilà, parce que j'invite juste Michel pour profiter de ses abonnés. Je suis pas plutôt pour un échange constructif. N'oubliez pas que derrière chaque fait, il y a des intérêts. Bah oui. Et oui, mais c'est vrai. C'est ça. Mais c'est vrai. Mais c'est un échange de valeurs. Mais par contre, il y a un intérêt. Oui, tout à fait. Là, c'est un échange de valeurs. Puis surtout, il y a un vrai plaisir aussi à échanger. Bah, et là sûr, aussi l'intérêt. C'est ça. On peut, voilà. Il y a un vrai plaisir. Donc. Et dans le business, il faut pas toujours que ce soit proportionnel. Il faut pas. Non. On s'en fiche de. Alors moi, je suis un grand fan du Give First. Ouais. Et d'ailleurs. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, je te montrerai peut-être un screenshot sur mon smartphone. J'ai reçu un message d'un client qui. Parce qu'on a deux types de strates de coaching chez nous. Enfin, d'accompagnement sur LinkedIn. Moi, en tant que CEO d'une agence, j'ai un temps qui est limité. Donc, j'ai d'autres collaborateurs dans l'équipe qui peuvent le faire à ma place. Il a voulu vraiment que ce soit moi. Et il n'a aucun problème à payer plus cher pour ça. Ouais. Et là, c'est la puissance de justement... De valeur perçue. De valeur perçue, ce que j'ai donné aussi à cette personne, parce que j'ai donné gratuitement sans avoir pensé à ce qu'un jour puisse m'envoyer ce message. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'étais extrêmement flatté. Parce que j'estime avoir été perçu à ma juste valeur cette fois-ci. Ça, si votre message est clair, si vous publiez un peu sur LinkedIn, vous vous débrouillez, que vous participez, etc., et que vous pensez, vous êtes empathique, vous donnez d'abord. Donnez d'abord, vous imaginez pas ce que vous allez recevoir et c'est au centuple. Mais encore une fois, quand vous le faites, faut même pas y penser à ça. Faut être vraiment dans avoir cette envie de partager et normalement les autres auront envie de partager avec vous. Oui. Et vous allez en retenir que du positif. Et donc je disais donc du coup, n'hésitez pas à participer dans les commentaires sur YouTube, à laisser une note sur Apple Podcast. Alors normalement ça on le dit à la fin, mais bon les gens vont zapper à la fin, ils vont voir que c'est la pub, donc là je leur dis maintenant, ils sont obligés d'écouter. Oui. Donc sur Apple Podcast, si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis il y a des trucs dont vous n'êtes pas du tout d'accord, interagissez, puis on répondra de toute façon dans les notes du podcast et de l'épisode sur YouTube. Il y aura évidemment le profil de Michel avec sa méthode signature. Merci. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés d'être accompagnés par Michel. Bon, alors écoute, ça fait déjà maintenant une heure. Donc, on va faire encore un petit quart d'heure. Ok. Voilà, tranquillement. Donc je regarde l'heure. Alors, il me reste 18 minutes. Bah, tant qu'à faire, on annonce podcast. Ouais. C'est parfait parce qu'après, toi, tu as une visio. Il faut savoir que tu vas faire une visio juste après. Vous voyez, on est dans la vie réelle. Hein. C'est pas, on n'est pas des stars. On reprend le taf. Moi, j'ai une visio dans 30 minutes. On reprend le boulot après. Hein, parce que c'est bien beau de faire des podcasts. Mais bon, faut bosser quand même. Hein. C'est du boulot, mais il y a des clients qui nous attendent. Mais oui, avec plaisir. Alors, moi, j'ai une grande question. Vas-y. Tu gagnes le SMIC LinkedIn? Le SMIC LinkedIn, c'est-à-dire 10 000 euros par mois. C'est fameux, c'est ça. Alors, parce que évidemment, l'audience est très franco-française. Il y a beaucoup moins important de francophones en Suisse. Il y a un million de Suisses qui parlent français. Tout le reste parle suisse-allemand. C'est pas faux, ouais. Et donc, du coup, parce que SMIC en Suisse, ça veut rien dire.
Ouais, forcément, ouais. Ça n'existe pas en tant que tel. Et donc, le SMIC, on va expliquer ce que c'est que le SMIC LinkedIn pour nos auditeurs suisses et ceux qui ne connaîtraient pas encore assez LinkedIn. Ouais. C'est les fameux 10 000 euros. Ouais. Parce que sur LinkedIn, tout le monde gagne 10 000 balles. Bah, si tu ne gagnes pas 10 000 balles, en fait, t'es personne. Nul. T'es nul. Ouais. C'est comme la Rolex avant 50 ans, c'est que tu es à la plèbe. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que tu gagnes un SMIC LinkedIn ? Du coup, je suis aux alentours de SMIC LinkedIn maintenant, ouais. Ok. Et des fois, tu le dépasses, des fois, tu es en dessous. Exactement, ouais. Bah, c'est bien. Toujours un peu comme ça. Et puis, bah, en fait, je pense que c'est toujours bien de se faire accompagner. Et puis, en ce moment, je me fais accompagner pour passer le palier. D'accord. Tout simplement, et aller plus loin. Ouais. Et je veux dire, avec une qualité de vie qui est quand même chouette, t'as au niveau, au niveau des horaires, on va dire que quand même, faut savoir qu'ici en Suisse, c'est... Par contre, ici, ça n'existe pas, les 35 heures. Bon, il y a beaucoup d'endroits où ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. En Suisse, c'est 42 heures minimum. C'est ça, 45, voire... Même 45. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire... pour la petite blague, j'avais toujours, même la perception des Suisses, j'ai l'impression où parfois, je sors, je sais pas, ma voiture à 15 heures et je vois déjà plein de gens qui partent de leur travail. Enfin, c'est bondé sur la route. Tout à fait. Mais je me dis, mais les gars, vous bossez ? Ou bien, qu'est-ce que vous faites ? Donc moi, j'ai la perception de ça des Suisses. J'en suis sûr que c'est lié au fait que je suis ukrainien. Et en fait, j'ai une famille des grands bosseurs. Et en fait, tout le temps, par ma famille, ça m'a été transmis qu'il faut bosser dur pour avoir des résultats. Oui. Alors, avec la mentalité suisse, j'ai pu le shifter un petit peu et me dire, c'est pas une question de bosser juste dur, c'est aussi de bosser smart. Intelligemment. Voilà, intelligemment. Mais donc, du coup, j'avais toujours cette petite impression que des Suisses, qu'on bosse pas beaucoup, alors les Français... Après, culturellement, en France, ce serait, pour eux, c'est la troisième dimension. Mais bon, après, on va pas parler aussi de ce qui s'est passé en France au niveau du travail. Ça va faire l'objet d'un de mes podcasts où je vais beaucoup parler de ça. Je vais vous parler un peu de... C'est intéressant. Quand on est une agence et qu'on veut recruter des gens, comment ça se passe ? Et moi, je vais vous raconter pourquoi. Nous, dans notre agence, on ne peut pas avoir autant de Suisses que ça, ni même de Français. Et qu'on a un vrai problème, mais un vrai gros problème. Donc ça, j'en parlerai bientôt. Mais déjà, les Suisses, par essence, commencent déjà plus tôt. Oui. En France, c'est pas commun, désolé pour nos amis français, mais il y a plein de boîtes dans les startups, c'est 9-10 heures du matin, tranquille. Ouais. En Suisse, c'est pas non plus anodin d'avoir des gens au bureau à 8 heures. Mais ils sont à 8 heures au bureau, et puis quand un Suisse dit je suis à 8 heures au bureau, à 7h45, 7h40, il passe la porte. Oui, exactement, c'est ça. Okay donc ça veut dire qu'il est dans sa bagnole à 6h15. Donc, il s'est levé à 5 heures du matin, pour aller au bureau. Et donc, on va pas parler non plus des artisans, etc. Donc, eux, ils bossent, ça charbonne. Donc, forcément, à 16 heures, tu as fait tes 7-8 heures. Statistiquement, tu les as fait. C'est vrai que la culture, elle est plus... c'est le côté plus germain, moins latin, qui est influencé par la Suisse alémanique. Et en Suisse alémanique, c'est pire. Alors, pour d'autres aspects, on fait une petite aparté sur la Suisse. Forcément, il y a moins d'humoristes en Suisse, quoi. C'est-à-dire que c'est un pays, fondamentalement, qui est quand même moins fun. Mais on a les défauts de ses qualités. Ouais, et d'ailleurs, pour donner une sale anecdote à nos auditeurs français... faut savoir que la Suisse, notamment francophone, adore parler de politique française. Pourquoi ? Ah bah oui. Parce qu'il ne se passe rien. Parce qu'en Suisse, il se passe rien en Suisse, ouais. Donc on aime bien rire de ce qui se passe en France. Il se passe rien. D'ailleurs, il y a un très bon humoriste qui s'appelle Haroun en France, qui quand il était passé ici, il parlait des infos locales et puis il se moquait. En se disant, là, il y a un article, toute une page pour dire que quelqu'un avait volé un vélo, quoi. Ouais. Et c'est vrai, tant mieux. Parce que voilà, donc vous pouvez pas tout avoir. Vous pouvez pas avoir un pays rock'n'roll et puis en même temps, que les gens soient pas des gros bosseurs, que ce soit un peu moins fun. C'est un peu, on peut pas tout avoir. Ouais. On peut pas tout avoir. Ou alors c'est les États-Unis et puis c'est des extrêmes et puis c'est un peu spécial, quoi. Oui. Et c'est pas notre culture. Donc là, tout ça pour dire, c'était ta question par rapport au SMIC LinkedIn, par rapport aux méthodes de travail. C'est vrai, on était là cette question. Je suis parti dans l'espace là. C'est fou, comme il faut plutôt avoir. Et du coup, tu es plutôt moins proche. Donc tu vois quelqu'un qui a 10 000 abonnés comme toi. Alors, si tu voudrais, vu tes compétences, vu ton intelligence, tu pourrais faire beaucoup plus. Oui, je pourrais très bien, mais j'ai pas envie de bosser. Mais on pense durabilité. Ouais. Voilà. Moi, je bosse de lundi à vendredi. Je fais des journées, je trouve, assez tranquilles, en étant très productif, bien évidemment, parce que ça s'apprend aussi. Smart.
ouais. Parce que aujourd'hui on a énormément de distractions, donc il faut savoir bien optimiser son temps. Exact. Mais désactiver vos notifs LinkedIn, en fait, sur votre portable, n'est-ce pas? Le truc, c'est que on peut toujours dire ah bah faites ça ou faites ça, mais tout est une question de comment vous voyez dans le monde de travail. Si vous souhaitez avoir la semaine de 4 jours, parfait, faites pour. Si vous souhaitez bosser 6 jours sur 7, parfait, faites pour. Il n'y a aucun problème. Il faut juste se dire, bah après, voilà, donc il ne faut pas s'attendre au même résultat tout le temps. Il faut savoir optimiser les processus. Et oui, moi, de mon côté, la première... J'aurais jamais imaginé que, j'allais tester ça, mais j'ai testé la semaine de 4 jours en mois de novembre. Ok. Pour moi, quelqu'un qui voit le travail comme il faut bosser dur, il faut bosser beaucoup, bah, c'était un peu une zone d'inconfort pour moi où je me suis dit, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'était un moment où j'ai pu relâcher un petit peu dans mon business, tout se passait bien et je savais. T'avais des bonnes conditions pour le faire. Voilà, il y avait des bonnes conditions, ça c'est très important. Et est-ce que ça a tu as poursuivi mais ou pas? Mais c'est pas pour moi, c'est okay. Juste pas pour moi. Donc, moi, ce que j'apprécie pas, c'est de faire toujours un peu des longs week-ends. Et faire en sorte qu'après, j'arrive et... En fait, je veux juste travailler plus. J'aime ce que je fais. Tout simplement. Et je souhaite travailler plus. Mais quelqu'un d'autre pourrait se dire, non, c'est la semaine de 4 jours, c'est parfait. Bah, bossez pour. Mais ne partez pas du principe que tout d'un coup, vous pouvez vous dire, ah, maintenant, je bosse 4 jours. Non, il faut quand même créer des conditions pour. Il faut créer surtout des systèmes pour ça. Tout à fait. Oui. Ouais, il faut processiser un peu, il faut être organisé. Je pense que l'organisation, organization is the key. Mm. Mais c'est vrai. Mm. C'est un vrai sujet en soi, parce que l'organisation, derrière, c'est le focus. Mm. Et je crois que c'est un des plus gros enjeux du 21e siècle pour un entrepreneur, c'est le focus. Mm. Parce qu'il y a plein de projets, plein de choses à faire. Mm. Sur les 10 dernières minutes, on va parler d'un autre sujet qui est ChatGPT notamment. Mm. Et ça va parler justement de ce défocus. Moi, dans mon business, c'est un sujet. Et avec l'organisation, on peut être focus. Et quand on est focus, on avance très concrètement. Mm. Vous imaginez pas à quel point, moi, des fois, j'accompagne certains entrepreneurs aussi sur d'autres sujets, ou même j'échange. Je vois les pertes de temps qu'ils peuvent avoir sur... Mm. Ils sont pas bien outillés, pas les bons outils. Ouais. Ou enfin, ils planifient pas. Par exemple, ils prennent pas 2 heures pour écrire leur poste d'avance ou commencer à écrire leur stratégie de contenu. Ou rien que essayer d'être partout en même temps. Et c'est pour ça le nom de ma boîte, c'est Focus. Ouais. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple, ce qui est simple, ce qui est efficace. Tout simplement. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet, le focus. Mm. Donc désactivez vos notifications LinkedIn sur votre portable. Enfin, le plus de notifications possible et aménagez-vous des plages. Mm. Pour y être, parce qu'un message, des fois on se dit ah, faut que je réponde tout de suite, mais en vérité il peut prendre 2 heures. Exactement. Ça ne change pas grand chose. Ouais. Bon, et ben parfait, il nous reste 5 minutes. Je voulais parler très très court parce que c'est un peu le sujet, parce qu'il est possible qu'on fasse aussi des petites vignettes et des petits épisodes plus courts pour diffuser un peu. Oui, bien sûr. Et il y a ChatGPT, c'est un peu le sujet du moment, c'est brûlant depuis 3 mois, ouais. C'est de la folie. Moi perso, ça fait 12 ans que je navigue dans ce monde-là, pour moi, ça va révolutionner pas mal de choses, c'est pas quelque chose d'anodin. Oui. Et moi, je voudrais en parler avec toi, c'est-à-dire, fondamentalement, est-ce que tu y vois un intérêt pour tes clients, ceux que tu accompagnes, et un intérêt pour toi? Est-ce que tu commences à saisir un peu l'opportunité? Est-ce que tu trouves qu'il faut en avoir peur? Bonne question. Est-ce que je saisis, est-ce que je pense que c'est une opportunité? Oui. Est-ce que je pense qu'il faut en avoir peur? Je ne pense pas. Je ne vais pas rentrer dans les théories complotistes de l'intelligence artificielle, tout ça. Mais je ne crois pas profondément que ça va remplacer l'humain, en fait. Non. Oui. Y a très peu de... Enfin, oui, il y a des tâches, bien évidemment, que ça peut remplacer. Mais l'humain, ce qu'il apporte, c'est surtout de la créativité. Et ça, c'est très important dans le business, dans le marketing, mais peu importe quel domaine. Donc, c'est quelque chose qui va servir et qui va aider accompagner, à processiser et à systématiser différentes choses. Moi, je vais clairement m'en servir. Comment, en ce moment, je ne sais pas, parce que je suis... Tu n'as aucune idée pour l'instant de comment tu pourrais... Pour l'instant, j'ai juste des idées. Je sais que c'est possible de, voilà, de rien que transformer le contenu en article de blog, que ce soit... De résumer des résumer, textes, par exemple. Créer des miniatures... résumer des textes aussi dans l'aspect copywriting, donc simplifier tes textes. Donc il y a beaucoup de choses. Par contre, je sais profondément en moi, et ça c'est quelque chose lié à ma valeur,
je ne vais jamais avoir un business qui tourne juste autour de ChatGPT. Pourquoi ? Parce que valeur très profonde chez moi, c'est l'humain. Je souhaite quand même garder ce contact humain avec les personnes que j'interagisse. Et donc, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez jamais affaire à un ChatGPT quand vous êtes en train de discuter à Michel Stroukov sur que ce soit dans les commentaires ou par message. Je serai quand même là. Donc, c'est quelque chose qui va aider, mais après, on verra, tout simplement. De quelle manière, tu ne sais pas encore, en fait. Ouais. Ah ouais. C'est difficile de savoir. Toi, tu sais déjà ? Oui, je okay. sais, parce qu'il y a des gens qui rédigent pour nous des posts. Il y a mm-hmm. aussi qui rédigent des posts LinkedIn. Donc là, on parle de LinkedIn, mais on peut parler de SEO, tout simplement. Mm-hmm. C'est un grand bouleversement pour le SEO. Mm. D'ailleurs, ça risque de bouleverser le marché des rédacteurs, dont je parlerai un jour, qui est un marché principalement offshore. Oui. Et il y a énormément de rédacteurs web freelance en ce moment. Énormément. Exactement. Et copywriter, d'ailleurs. Et je pense que ceux qui gagneront, ce sont ceux qui vont s'en servir pour l'utiliser, pour après réécrire ou gagner du temps, etc. Exact. Donc moi, je vois un intérêt là-dessus. Je vois un énorme intérêt pour développer sa propre créativité. Parce que, justement, il faut savoir que la version de ChatGPT actuelle, elle est encore... C'est encore embryonnaire. Parce qu'il y a une autre version qui va arriver, qui est mille fois plus d'occurrences, mille fois plus... Enfin bref, c'est assez... assez impressionnant. Et donc moi je vois vraiment en tant qu'accompagnant dans un très bon accompagnateur pour créer du contenu. Et dans certains cas, quand le contenu ne doit pas être non plus d'une qualité folle, être une pure réponse technique pour par exemple le référencement naturel, nous on doit par exemple pour référencer des sites développer d'autres sites, voilà. Je vais pas aller très loin en technique, mais du coup là, de pas avoir besoin de rédacteur et de pouvoir générer du texte et de faire des tests, alors, et les textes sont très très enfin, franchement, ça se lit, hein, y a pas de problème. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, si vous voulez essayer, vous êtes impressionné. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec Google qui va pouvoir tracer si ça a été fait par une intelligence artificielle ? Pour parler du news actuel, effectivement, apparemment, ChatGPT voudrait mettre une clé d'encryption, une clé cryptage, clé pour pouvoir identifier le texte. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, techniquement, on aimerait bien savoir comment ils vont faire. Non. D'accord. Parce que déjà, moi, je vous le dis, en 2023, Google n'est pas foutu de faire la distinction entre un bon contenu, c'est de la bouillie, avec des mots-clés bien répétés, etc., et un très bon contenu. Donc, comment ils vont faire pour qu'une IA qui parle comme un humain, écrit comme un humain, vont pouvoir le détecter ? Bah, hier, j'ai appris il y a un chat GPT dans le style... qui reprend ton texte généré par ChatGPT, qui le réécrit comme si c'était un humain. Bien sûr, parce qu'après, en fait, ChatGPT, c'est un bloc, puis après, vous le connectez, vous mettez d'autres choses pour modifier, donc ça sera impossible. Ouais. Donc, je vous le dis, c'est du pipeau. Ouais. Je suis prêt à signer. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, mais dans un mois, il y aura des milliers comme ça. Bah, il y aura plein de services annexes au niveau marketing qui vont se connecter, parce que, bien sûr, ChatGPT tout seul, sans les prompts et tout, ça n'a pas de valeur. Mais c'est une source, en fait. C'est une base, c'est un moteur. Un peu comme il y a des moteurs pour des jeux vidéo. Ouais. Mais là, ça va être un moteur pour de la rédaction. Et donc, les gens vont se connecter, vont l'utiliser comme un générateur. Puis après, on vient plugger ce qu'on veut et faire à sa sauce. Donc, il y aura des niches. Et il y en a déjà, d'ailleurs. Oui, complètement. Déjà, rédaction.io. Enfin bref, il y a plein d'outils. On aura l'occasion d'en parler. Ouais. Bon, allez, dernier volet. Avant de se quitter, malheureusement. Quelles sont les personnes que tu suis le plus sur LinkedIn et qui t'ont vraiment plus apporté, en tout cas, que tu suis vraiment les vrais créateurs comme toi, tu as des personnes qui te suivent régulièrement, que tu vois très souvent en commentaire, c'est lesquelles, toi, où tu es souvent en commentaire, où tu les suis, tu as toujours de l'attention pour leur poste, c'est-à-dire que quand ça défile et que tu vois la photo, hop, tu t'arrêtes. Oui. J'en suis pas énormément où je me dis, ah ouais, chaque poste est vraiment intéressant et je le suis vraiment. Mais il y a certaines personnes où je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils disent. Et surtout, ils osent dire ce qui n'est pas toujours dit. Comme par exemple Thibault Louis, une personne, ça c'est clair. Et moi, je le vois comme un sort de disrupteur dans ce qui est la création de contenu d'un point de vue si tu es entrepreneur. Au-delà de ses valeurs, au-delà
si on est vraiment ouvert d'esprit, on écoute vraiment ses idées, c'est hyper intéressant, même si on n'est pas d'accord. Donc juste de le lire, moi ça m'intéresse. Après, est-ce que je suis d'accord avec lui sur tous les points? Non, pas du tout. Donc, c'est vrai. Et c'est ça. Je partage le même. Je suis avec, ouais. Avec attention Thibault Louis. Ouais. Une personne dans les ressources humaines qui s'appelle Céline Thomas, que j'aime beaucoup, qui met en avant vraiment cette valeur humaine, cette valeur de l'humain dans les ressources humaines, dans ce qu'on fait dans les RH en ce moment. Et je trouve très intéressant aussi ce qu'elle fait parce qu'elle donne des exemples très précis. Des abus, que ce soit au niveau des relations manager-employés, ou que ce soit entre employés, ou que ce soit dans les processus de recrutement. Je trouve très intéressant comment ils développent ça. Et tout simplement, de nouveau, moi, je ne pense pas que je vais devenir une agence, que je vais grandir une grosse boîte. Okay. Je vais plutôt tu rester... Tu veux pas faire comme moi. Voilà, exactement. Donc, mais c'est d'ailleurs un choix hein, que chacun doit faire. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et je pense que je préfère être solopreneur avec des personnes qui m'aident. Donc, Thibault Louis, du coup, c'est le bon interlocuteur à suivre pour toi, parce que lui, c'est un vrai... Ouais, exactement. C'est un peu le Justin Welch français. Ouais. Pour ceux qui connaissent Justin Welch, en anglais, il est incontournable quoi, dans le domaine. Donc Justin Welch aussi, et puis sinon d'autres... Benoît Dubos peut-être ? Tu tombes dessus, Scalesia, là c'est plus dans des thématiques. Je trouve c'est intéressant, après il a une manière de faire du marketing qui est plus agressif que la mienne, je trouve très intéressant, j'écoute toujours ce qu'il dit, mais de nouveau c'est une chose d'être ouvert d'esprit, d'écouter des idées, ça je consomme beaucoup de contenu comme ça parce que je trouve c'est intéressant, ça permet de créer ton propre point de vue sur un thème, mais par la suite vraiment où je suis hyper d'accord avec quelqu'un, je le suis tout le temps, c'est très rare pour moi. Après moi Benoît Dubos, pour prendre l'exemple de Benoît Dubos, moi je le préfère à l'oral sur son podcast qu'à l'écrit. Je le dis à l'écrit. À l'oral je l'ai jamais écouté, mais à l'écrit c'est toujours plus dur d'avoir une certaine nuance. Et à l'écrit des fois il m'insupporte parce qu'on n'a pas les mêmes pensées. Voilà. Après, il est français, lui. Il est français, donc on lui en veut pas. Il n'a pas la chance d'être français et suisse ou ukrainien. Et on plaisante, bien sûr. Mais par contre, j'adore Benoît. Ouais. Dans ses mails, il fait une newsletter et tout avec des méthodes, etc. Il a une manière de bien transférer les messages et de donner envie. Enfin, c'est incroyable. Et à l'oral, je l'aime beaucoup. Donc, comme quoi, faut... Avant de pouvoir juger quelqu'un, mais bon, ça c'est un peu le défaut. C'est ça, juste rester ouvert d'esprit. Juste rester ouvert d'esprit, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Ça reste un grand boss du LinkedIn game. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le mentionner dans les commentaires. Vous pouvez juste passer au poste suivant. Je le dis quand même parce que on parlait d'optimisation du temps avant. Ça rentre dedans. Ah ouais, puis toute l'énergie que vous allez dépenser à essayer de convaincre quelqu'un qui, de toute façon, ne sera pas d'accord avec vous et le débat va être stérile. Mais ça, après, c'est une question de caractère, etc., je pense. Et moi, je m'inscris en faux. Il peut m'arriver de rentrer dans ce travers-là. Mais à force d'y rentrer et de voir que ça fait trop mal et qu'on perd trop d'énergie, on finit par comprendre. Oh, Dieu soit loué, on finit par comprendre parce que, évidemment, on perd une énergie dingue parce que c'est les émotions. Le mieux, c'est d'être le plus régulier possible, d'être un coup triste, un coup très heureux, machin. Et ça, c'est ce que ça... quand on va dans les commentaires et qu'on va... on attaque et puis on se fait interpeller comme ça, ou nous on va essayer forcément dans une discussion avec quelqu'un qui veut pas être d'accord avec vous, vous allez vous faire violence quoi. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de tu vois, alors que ça sert à rien. Et en plus il va vous provoquer machin, vous allez perdre. Là en attendant vous aurez pu faire 5 posts sur LinkedIn ou autre chose de plus productif. Donc essayez vraiment de dominer votre émotion, parce que ça c'est le côté émotionnel, et de passer à la suite, parce que franchement c'est une perte de temps. Et surtout fonction, et je finirai là-dessus sur LinkedIn, masquer. Si vous avez des gens avec qui vous êtes en réseau, mais vous en avez marre de ce qu'ils écrivent, ne le suivez plus. Mais restez en relation pour éviter les problèmes, par exemple dans votre entreprise. Se désabonner. Vous désabonnez, et sinon vous masquez les publications à force de celles que vous n'aimez pas. LinkedIn comprend très vite. Exactement. Il va nettoyer votre feed. Et comme ça, votre feed d'actualité sera propre et vous n'aurez que du contenu qui vous intéresse. Exactement. Complètement. Bon, Michel, je te remercie.
Avec merci beaucoup pour cet épisode. Premier épisode épique ici en présentiel. Donc franchement, merci beaucoup. Ça a été très instructif. J'espère pour nos auditeurs que ça n'a pas été trop brouillon. On allait un peu partout, mais peut-être c'est ce qu'ils vont aimer. Hein. Oui. Que tout ne soit pas absolument chapitré. Voilà, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, que la vidéo, ça vous aura plu aussi, de nous voir en vrai. Il y aura d'autres épisodes. Alors le prochain épisode, normalement, si tout va bien, c'est Cédric Aubray, qui est parce qu'évidemment, je vais voir les gens localement ici, qui sont les plus connus sur LinkedIn, parce bien que sûr. Je tiens vraiment à avoir des gens présents. Tu as raison. Il est vraiment pas impossible que tu reviennes. Là-dessus, je prends l'idée de Benoît Dubos qui fait revenir pour savoir où on en est, etc. Les gens s'attachent et je trouve ça intéressant. Oui. Voilà, réagissez sur les commentaires, abonnez-vous, partagez cet épisode à quelqu'un. Vous avez envie d'aider, envoyez-lui parce que nous on va l'aider, voilà, c'est important. On se retrouve sur LinkedIn dans les commentaires et puis s'il y a quoi que ce soit, Michel, vous le trouvez sur LinkedIn. Oui. Voilà. Merci. Vous, les notes seront dans les notes du podcast et dans la chaîne YouTube aussi. N'hésitez pas à interagir avec lui. Et puis pour moi, s'il y a quoi que ce soit. Et faites la même chose avec Alexandre. Hein. Ah je suis pas tout seul ici. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Et toute l'équipe, en tout cas, Digitalisme et toutes les agences du groupe, seront ravis de vous aider. Si on peut vous aider, bien sûr. Parce que si on ne peut pas vous aider, on ne vous aidera pas. Et puis on vous redirigera vers Michel. Donc à échéance, s'il peut vous aider. Voilà. Ouais. Merci à tous. Et puis à la prochaine. Merci, Michel. À la prochaine. Merci à toi.